Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, on va continuer notre aventure, mais avant, je dois blablater un tout petit peu. Déjà, merci. Je vais faire un tout petit discours un peu important. Bon, j'ai lâché la souris, vous avez une vue de mon personnage pour ce petit blabla du début. Je suis désolé pour ceux qui aiment pas les blablas. Mais voilà, merci. C'est con à dire, mais les pouces verts maintenant, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et ça me sert à rien, fondamentalement, un pouce vert, parce que ça me fait pas gagner d'argent. On va partir sur le sujet de l'argent et qui est super tabou et tout, parce que c'est pas intéressant, mais un pouce vert me fait rien gagner monétairement. Niveau référencement, je crois que ça fait rien gagner non plus. Mais en fait, ça me fait juste super plaisir. Voilà, j'avais besoin de le dire merci. Merci, parce que quand on se rend compte qu'on est suivi comme ça, qu'il y a des pouces verts et tout, on n'a qu'une chose à dire, c'est merci et fermer sa gueule. Voilà, j'avais besoin de le dire. Ensuite, pour vous faire une idée de quel jour on est le jour où la vidéo est postée, on est le 5, mais le 5 à minuit 3, je suis épuisé, je rentre de la Japan Expo, j'avais pas pris d'avance sur les épisodes d'Assassin's Creed, j'attendais de bien lire vos retours, etc. Et donc je tourne cet épisode assez fatigué, mais ça me fait tellement plaisir que je me suis dit, allez, on va le faire quand même, demain je serai épuisé pour la Japan Expo, mais c'est pas grave. Et aussi, je tenais aussi à rajouter un petit détail pour ceux qui viennent à la Japan Expo, pour les heureux chanceux qui habitent près de Paris et qui sont tentés de venir, ou ceux qui habitent loin mais qui ont la chance de faire le déplacement, samedi, le gros jour de la Japan Expo, je serai sur scène avec les Noobs, la Flanders, qui est notre web-série, Visiteurs du Futur, Marcus. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être un affrontement entre Flanders et Noobs, sur des jeux, donc ce sera un truc gaming et présenté par Marcus, et je fais partie des guests de Noob pour défendre les couleurs de Noob, et je vous attends très nombreux pour crier fort mon nom. Voilà, vous devez m'aduler. Oui, c'est un culte de la personnalité. Oui, non, j'ai pas honte en fait, mais j'aurais pu avoir honte. Voilà, donc vous avez l'idée. Voilà, donc pour ceux que ça tente, on se retrouvera pour s'éclater, pour s'amuser et profiter tous ensemble de ce petit moment. Ah oui, voilà. Faut pas bouger pour mettre la vision. Alors, qu'est-ce qu'elle est intéressante? Il n'y a rien d'intéressant à faire maintenant. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on s'amusera. Oula, il y a beaucoup trop de gardes. J'espère vraiment qu'on s'amusera tous ensemble et que ceux qui auront la chance de venir et d'assister à ce truc, bah, prendront du plaisir. Je sais pas si ça va être diffusé quelque part. Voilà, j'en sais rien. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a des rumeurs qui circulent, enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que en général ce que Marcus présentait, parce qu'il le présente, est rediffusé sur nos lives, donc pour ceux qui ne le verront pas, ils auront peut-être la chance de le revoir plus tard. Ok. Donc je pense qu'il faut se enfin je sais qu'il faut se cacher. Mais alors comment? Ah oui, voilà. C'est ça que ça me disait tout à l'heure, je crois. Non, je ne sais pas. Faut savoir qu'il y avait un petit message avant que je lance l'enregistrement qui parlait de la charrue. Et je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'on peut passer? Non, hein, là c'est haut. C'est très très haut. Mais je vais pas esquiver. Il doit y avoir une vraie méthode d'infiltration, les amis. On va trouver ça. Là je gruche totalement en essayant de passer. Quoique. Non, pas moyen par ici. Non, il doit y avoir une vraie méthode d'infiltration. À moins qu'on doive défoncer tout le monde. Mais je pense que c'est de l'infiltration. J'aurais essayé. De l'infiltration pure. Et donc défoncer les gens est une mauvaise idée. Mais on peut le tenter. Je ne sais pas le. Je sais pas en fait si. Ne tuer aucun garde. Voilà, objectif optionnel, ne tuer aucun garde. Donc c'est faisable. En affichant le menu, j'ai eu mes informations. Donc c'est plutôt cool. Vous pensez que ça le fait de faire ça? Des problèmes.
Ouh là 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 là. Je devrais sans doute les saboter. Je suis pas là. Oula. Rien. Bon, tant pis. Non mais. Ok, ça ne marche pas cette technique, hein. Je ne comprends pas pourquoi il ressortait. Je comprends pas, je crois qu'on peut pas rester dans une boîte de foin en mode je suis caché, je n'existe pas. Donc j'ai fait des bêtises qu'il ne fallait pas faire. Je devrais sans doute les saboter. Le général Braddock vient de quitter l'Europe. Il n'y aura pas de trêve. Bon sang. Pourquoi? On va les espionner vite fait. Pourquoi refuse-t-il? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort, même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez nous... Je suis parfait. Pire, je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa soif de... J'étais pas censé être visible, normalement il était censé se cacher, mais il ne l'a pas fait. On va réussir, les amis. On ne va pas tenter cet espionnage qui est bien trop risqué, mais on va réussir à se cacher. Je devrais sans doute les saboter. Hop là. De qui tu parles? Il n'y aura pas de trêve. Pourquoi refuse-t-il? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Tu ne me vois pas. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort. Même s'il me peine de la... Mais je vais pas réussir cet espionnage, arrêtez de... Hein? Ah, l'espionnage est obligatoire. C'est-à-dire qu'on me force à écouter des mecs. Genre, si j'ai pas envie d'écouter ces types parler... Je n'ai pas le choix. Des problèmes. Ah non, mais c'est la mission première d'espionner en fait. Je suis totalement débile. Toi, arrête-toi. Reviens ici. Je suis pas là. Non, non, non. Vous ne me voyez pas. Je n'existe pas. Je ne suis pas là. Ça va passer. Il n'y a aucun souci. Ça va passer. Voilà, il va partir. L'Europe. Il n'y aura pas de trêve. Pourquoi? On espionne des gens débiles. Pourquoi refuse-t-il? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Allez, ici! Non mais, en fait, je comprends pas pourquoi... Merde, je lui ai mis une patate à la fin. Je ne comprends pas pourquoi il ne se cache pas. Cache-toi! Tu es débile? Est-ce que tu es plus stupide qu'un autre? Non, moi ce que je trouve dommage avec cet élève, c'est qu'il a des capacités et qu'il les gâche. Je devrais sans doute les saboter. Il y a un garde pas loin, voilà. Cette fois les amis, on va vraiment se fier à quelque chose qui est vital dans ce jeu. C'est la minimap. Et on va éviter de faire des bêtises comme ça. Pourquoi refuse-t-il? Le mec il est endormi sur ses calèches. Une solution diplomatique ne peut convenir. On écoute quand même les pseudo-cinématiques. Bon là, il l'a dit 12 fois quoi. Mais... Une guerre inévitable. Une guerre où il saurait l'avantage. Il n'a pas vraiment tort, même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez nous, avec nos forces éparpillées. Pire, je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa soif de sang. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que des familles soient détruites, rien que pour satisfaire l'honneur du bulldog. Où est le général? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duquesne, je suppose? Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans sur la pointe de... Non, non. Oh là là, il m'a chopé les amis. Vous aurez remarqué un truc, et c'est pas lié au fait que je sois un petit peu fatigué, c'est surtout lié au fait que, en fait, j'ai compris comment le jeu pouvait devenir immersif. Je devrais sans doute les saboter. Voilà. Ok, là je suis mort. Ah non, je suis pas mort. J'ai compris comment le jeu était immersif, et donc je suis concentré. Et ça c'est rare. Laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. C'est beau. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort,
même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage ma question. What the f... Je vais pas foutre la merde, hein, mais... Il met nos hommes en danger. Et je refuse que les familles soient détruites, rien que pour satisfaire l'honneur du Bulldog. Où est le général ? Il me voit pas, 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 il me voit pas. Hey ! Oh non, j'y étais presque. Enfin, j'étais presque dans la conversation encore. Le truc, c'est que quand ils montent, il faut pas que je monte par cette échelle. C'est une mauvaise idée. Il faut les suivre. Les canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Ne bouge plus. Le général Braddock a rejeté l'Europe. Il n'y aura pas de trêve. Bon sang. Pourquoi ? Il a filé. On va réussir. Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Ok. Pourquoi d'habitude il me voit pas et là ? Ah, salut, toi, ça va ? Tu fais quoi cet après-midi ? Non, c'est une honte. C'est... Monsieur, vous êtes une honte. Une honte pour notre pays. Ces canons vont nous créer des problèmes. Bon, cette fois, on n'attise pas la haine et la violence. On te laisse passer. Je veux voir où il se stabilise. Le général Braddock a rejeté l'Europe. Il n'y aura pas de trêve. Bon sang ! Pourquoi, George ? Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend alors, qu'une solution diplomatique vas-y, passe. Ne peut convenir. On m'avait dit dans les commentaires, parce que replier, je lis tous vos commentaires. Que retarder une guerre inévitable. Grosse partie sur ce let's play en tout cas. Il n'a pas vraiment tort. Même s'il me peine de la mort. N'a aucune chance. Mais reviens ici. Ne voit-il pas le danger ? Ok, je lis tous les commentaires et on m'a dit cette mission là, Hunter, fait partie des missions dures du jeu. Le jeu est pas réputé comme étant le jeu le plus dur du monde, etc. Mais cette mission là fait partie des missions qui, d'après ce que vous m'avez dit, sont des missions qui vous ont marqué parce que vous avez eu du mal. Donc on va essayer de notre côté de faire quelque chose de très posé. Vous voyez que là je ne saute pas. Je ne m'agite pas parce que sinon je me fais repérer. On va faire quelque chose de très posé pour ne pas faire d'erreur et essayer de réussir ça assez vite. Mais après, je ne dis pas être le meilleur, hein, loin de là. Très très loin. Les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une okay. guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort, même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez moi, avec nos forces de partenaires. Pire. Je crains que Braddock ne soit aveuglé par je suis pas là. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que des familles soient détruites, rien que pour... Il y a un mec juste au-dessus. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duquesne, je suppose ? Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandement, si vous voulez les voir. Au moins, ce sera bientôt fini. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Arrête-toi ! Je sais. Cette carte me sera très utile. Je ne suis pas là. Si je suis là. D'accord, je suis là. En tout cas, on l'a réussi, je crois, et donc on va repartir au bon checkpoint. Mais c'était si là il la considère comme réussi, c'était une mission espionnage des plus bidons. Les canons vont nous créer des problèmes. Non, il le considère pas comme réussi parce que là c'était bidon la façon quand même dont je les ai récupérés. Mais si j'avais su où vraiment il s'arrêtait, j'aurais pu mieux m'en sortir. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'aurais pu rester à l'endroit où j'étais. J'étais un petit peu loin, mais ils finissaient leur conversation sans bouger. Oh. C'est pas grave, c'est tant pis. Alors cette fois on regarde bien le radar. Et normalement, est-ce qu'on peut avoir le visuel ? Voilà, il est là. Il fait demi-tour. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort, même s'il me peine de l'admettre. Hop là. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez nous, avec nos forces éparpillées. Hep. On avance. 1, 2, 1, 2. Hop, attention les marches. T'as trop bu, Jamani. Oui, il s'appelle Jamie. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duquesne, je suppose ? Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandement, si vous voulez les voir. Au moins, ce sera bientôt fini. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. Elle est dans la tente du commandant. Qui est celle-là ? Je suis obligé de tuer un garde. Je vais lui faire en mode tu me vois pas ? Faites venir des renforts ! Je peux pas faire ça.
C'est pas possible. Par contre, ce que je peux faire, je ne sais pas comment ça se passe. Attendez, on va voir où je réapparais, mais peut-être que j'ai une idée. Ces canons vont nous créer des problèmes. Ah, je réapparais là, ce qui fait que c'est un peu chiant. Je devrais sans doute refaire cette mission qui... Enfin, cette mission, ce début de mission où on espionne les officiers. Voilà. Allez, l'autre il va faire demi-tour. On l'a en visuel là. Je sais pas si vous le voyez bien. Non, pas avec F, avec V, pardon. Alors, on le voit tout aussi mal. Donc, c'est génial. Ah, là, on le voit plus. Il est là. Une guerre où il saurait l'avantage. Il n'a pas vraiment tort. Au revoir, copain. S'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger? Je partage votre. Attention, il y en a un qui va s'arrêter. C'est le rouge. Le rouge va s'arrêter. C'est toi le chat. Je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa soif de sang. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que les familles soient détruites. Où est le général? Il rallie dans ton cul. Avant de gagner Fort Duquesne, je suppose. Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandement, si vous voulez les voir. Au moins, alors. On aura bientôt fini. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. C'est un trou de serpent. Je vais te défoncer. Est-ce qu'il s'est planqué là-dedans? Voilà. C'est ça la carte? Voler. Coucou, j'ai volé la carte. Ok. On va devoir quitter la zone, les amis, et devenir anonyme. Alors, devenir anonyme, pas un problème. Vas-y, saute ces pics. Non, non. J'existe pas, je suis pas là, c'est pas moi. Donc on aura fait aucun truc optionnel. Parce que le tuer c'était obligatoire pour moi, j'ai pas les bonnes mécaniques encore pour faire ça de manière propre. Mais le sabotage, je trouvais ça un peu trop risqué, j'avais pas envie de perdre. Braddock est parti, rallier ses troupes. Il marchait sur Fort Duquesne. Les préparatifs vont prendre du temps. Nous devons en profiter pour agir. Je sais. Nous lui tendrons un piège ici, près de la rivière. Rassemble tes hommes. Je vais avertir les miens. Je te dirai quand viendra l'heure d'attaquer. Ah oui, je me disais, je te dirai, ça fait une phrase un peu vide. Vous êtes incognito. Mission accomplie. Alors là, où est-ce que je vais devoir aller? Je vais pouvoir rentrer à la maison. Échappe. Je fais échappe parce que j'aime bien voir où j'en suis. La séquence 3, 59%. Non, ça c'est les gardes, on s'en fout. Donc on va rentrer à la maison de manière très lente. C'est très lent. C'est insupportablement lent. Ah, si je vois le point devant moi, je crois que c'est qu'il est pas si loin que ça en fait, hein, mais je ne sais pas, donc je ne vais pas porter de préavis qui pourrait être faux, parce que souvent les préavis sont faux. Garde nationale, bonjour. Non, tu ne peux pas monter sur un arbre. D'ailleurs, on m'a dit que ce n'était pas possible avec ce perso là. Voilà, c'est du racisme de personnage. C'est un personnage qui a pas le droit. C'est triste, hein, quand même. Triste vie. Le mec il fait des sauts de malade, mais par contre escalader un arbre. Oh non, le gars. Donc moi personnellement dans la vraie vie je fais pas le tiers de ce qu'il fait, mais escalader un arbre, il y a entre guillemets pas de soucis. Ou en tout cas beaucoup moins. Parce que lui, regardez, c'est triste. Prendre cet arbre. Ah, cet arbre là peut-être il sait l'escalader. Mais non, il sait pas. Monsieur ne sait pas escalader un arbre.
Je suis là, vous savez l'escalader, vous, dans le public. Si vous savez l'escalader, dites-le nous. On a besoin de savoir. Bah bon, vous mettez un commentaire, moi je sais escalader cet arbre. Je ne vous demande pas d'aller tout en haut, je vous demande juste de faire un effort. Le mec qui est super à fond dans son truc, qui est vraiment dans son son idée de « Mais cet arbre est escaladable par tout le monde !» Alors qu'en vrai, bon, c'est un arbre, quoi. Enfin, on s'en fout. On s'en fout, hein, potentiellement. Potentiellement, on s'en fout, mais royalement. Je me demande s'il y a une... Ah, on m'a donné l'astuce pour tuer les petits lapins. Ça va marcher. Enfin, c'était pas un lapin, c'était un chien. Et on m'a dit, en fait, on peut pas lui tirer dessus comme ça, de base. Par contre, on peut viser pour lui tirer dessus. Et ouais, si on vise, on n'a pas besoin de toucher une cible ou quoi que ce soit. Si je vise... Bon, là, je suis pas avec une arme à feu, mais avec une arme à feu, je pourrais tirer. Enfin, si, en fait, je peux tirer en appuyant sur A, mais je ne l'ai pas fait. Bondir par-dessus les obstacles. Oui, alors cette astuce-là, vous me l'avez déjà affichée, les gars. Il va falloir se recycler. On saute, saute, saute. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une mini-map. Vraiment, j'ai pas lu de retour à propos de ça. Ça m'étonnerait que je les ai loupés. Mais je crois qu'il y en a pas, j'en ai pas vu. J'en cherchais déjà dans l'épisode précédent. Et c'est très très triste de ne pas avoir de mini-map, je trouve. Bonjour, je suis un cheval temporaire. Le cheval, ça me prie très tôt. C'est vraiment le cheval super temporaire si le truc est à gauche là. Wow, il y a du niveau. Ouais, par contre là il y a un mur. Non, vraiment. Ah non. Ah non, tu te rebarres. T'as un gars comme ça. Ok. Je vois l'idée. Saute ce caillou. Non, tu sautes pas ce caillou. Ouais, tu sautes que ce qui t'arrange en fait. Hein. Voilà, j'ai pris un cheval pour 2 secondes et demie. Hop là. On descend. On descend. Voilà. Voilà. On descend. Wait. What the fuck? Quand je disais on descend, c'était on descend le cheval, hein. Tu devais pas partir. Tu devais pas être vexé, petit cheval. Petit cheval. 5 mois plus tard. Ah ouais, ça a pris du temps pour faire son expédition. La 5 sous et des camps. Ouais, super bourré. Bravo. En plein travail, je vois. Mais comment? Le moment est venu. Nous sommes au nord. Rejoins-moi là-bas. Là-bas. Messieurs. J'ai une anecdote sur cette chanson de Goldman que vous connaissez peut-être. Il est temps. Parce qu'il faut étaler sa science. Mais ils sont tous bourrés? Ah non, pas tous. La nana s'est fait tuer par son mec. La nana qui chante là-bas avec Goldman. Oui, j'ai des anecdotes de merde. Mais vous avez pendant un instant espéré que c'était bien. Avant c'était le froid, maintenant cette satanée chaleur. Ah, ça c'est cool, j'aimais pas la neige. Je te suis. Sans parler de tous ces moustiques. Ah, ça c'est chiant les moustiques. Pouce vert si toi aussi t'as pas de moustiques. La chaleur et les insectes seront bientôt le cadet de nos soucis. Mec qui trouve des excuses pour des pouces verts. Quoi? Vous parlez du bulldog? C'est fou furieux. Excusez-moi, je ne contrôle pas ce cheval en fait. Hein. Bon bah je peux lâcher la souris, c'est pas moi qui contrôle. Où est passé le jeune? Mais j'y ai cru, hein. Mais vraiment. À un moment, j'ai eu un doute, c'est pour ça là j'ai essayé. Parti et terminer j'ai son service auprès de Braddock. Le bulldog n'a pas dû apprécier le tour que nous lui avons joué. Le bulldog est un fils de chien. Il va me faire passer pour un incompétent et implorer son indulgence. Ah ouais, ça vaut pas le coup. Il sait manier les mots, surtout pour flatter l'ego. Je serais surpris qu'il ne soit pas accueilli à bras ouverts. Ou à bras raccourcis. L'un des nôtres sera ce sont des choses qui peuvent arriver. Les mecs qui sont discrets, ils arrivent en exactement. Cheval. Ah, là je reprends le contrôle, je pense. Sauf si vous avez sous-estimé l'adversaire. Hop là. Ouais, j'ai repris. Si c'est le cas, ciao. Wow. Oula, ma vie elle est passée dans le rouge l'espace d'un instant. What the... Je vois que tu n'as pas chômé. Tous ces hommes sont de tribus différentes, unis par leur désir de chasser Braddock loin d'ici. Celui-là, est-ce que vous allez les bien? Les Abenaki, les Lenape, les Shawnee. Et toi? Qui représentes-tu? Et toi, à moi-même. Quoi tu joues?
attendu de moi. Nous aiderons les autres à se préparer. Suis-moi. Suis-moi ? Comment ça, t'as un compte Twitter ? Suivez-moi sur Twitter. Ouais, je fais ma propagande Twitter, j'y pense. Il y a un lien dans la description comme d'habitude et c'est voilà. Cool de me suivre sur Twitter. Tout va bien, mon général ? Faillot. Je savoure l'instant, c'est tout. Le faillot. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes venus si loin à l'ouest. Sur ces terres sauvages où la nature est indomptée. Il n'en sera pas toujours ainsi. C'est celui qui dit qui est. Ok. Un jour, tu vas descendre d'un étage dans ton cheval. Ne nous suffiront plus. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est schizophrène, oui. Ce jour approche à grands pas. Nos populations auront besoin de place pour croître et prospérer. Autrement dit, il leur faudra des terres. Les Français l'ont compris et s'efforcent de nous en empêcher. Ils ceinturent notre territoire, bâtissent des forts et forgent des alliances. En attendant le jour où ils resserreront la corde sur notre gorge. Et ce sera avec plaisir. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut trancher la corde et les chasser. C'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Leur donner une dernière chance, partir ou mourir. Il est temps d'attaquer. Non. Disperser cette expédition ne suffira pas. Nous devons tuer Braddock. Sinon il reviendra, c'est certain. Je vais me déguiser en soldat et remonter jusqu'à lui. Ton embuscade m'offrira l'occasion parfaite de lui porter le coup fatal. Ça a l'air bien comme idée. Mais t'as un costume de soldat, genre comme ça ? On attend ton signal. Là, droit devant nous. Comment tu veux que je tue le mec sans faire de conflit de ouf ? Il nous faudra des jours pour gagner du Ken. On ferait mieux de suivre la rivière. Nous sommes presque. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis désolé. Du coup, j'ai une épée et j'hésiterai pas à m'en servir. Bonjour, monsieur. Ok. J'ai été un petit peu trop violent. Aïe. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'on devait gérer les choses normalement, hein, pas du tout. Mais je me suis trompé de touche en fait, hein, tout simplement. Ah, beau gosse. Non, on va devoir la jouer clean. Hey, salut les amis. Quel heureux hasard de se rencontrer. Le chariot est bien trop chargé. Le sol est inégal, on ne voit pas les tours. À la moindre erreur, tout va dégringoler partout. Faut les Français chasser, il y aura des occasions de s'enrichir dans le Nord. Attention les gars, je vais vous écraser. J'adore ce jeu qui réfléchit pas au fait qu'on est des connards des fois. Ah salut, c'était pas là que je devais aller. Je ne tolérerai pas le doute dans mes rangs. C'était ici, excusez-moi. Edward. C'est moins agréable quand l'arme a changé de nom. Attention ! Sœur ! Mais où t'es-tu enfui, Edward ? On va devoir faire un truc badass, les amis. Je le sens, là, ça sent le truc badass. On court. Ils ont pas besoin de mettre la vision là. Non mais je suis trop loin, hein. Qu'est-ce que je fais? Attention, rapprochez-vous de la cible. Oui.
vais plus vite que lui ou pas? 62. Je crois qu'on est à la même vitesse par contre. Donc ouais, on reste à peu près à la même vitesse. Donc ça va vite être problématique. À un moment, il aura plus d'essence dans son cheval. Vous êtes bloqué. Coucou. Tu vas mourir. Cette lâcheté m'étonne de ta part, Edward. Finissons-en. Voilà, c'était évident. Je l'avais vu en contre-champ. J'ai toujours su qu'elle causerait ta perte. Grave, j'aurais pas été prétentieux, je t'aurais tué direct. J'avais vu juste. Boum! Bastard. La nana, elle, avec un couteau, elle te défonce le gars. Non, tu vas pas te remettre à courir. Oh là là, on va de... Va! Vite! Va vite, femme. Oula, oh, tu es violente, mademoiselle. Je mérite pas ça! Si, 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 tu mérites ça. Assassiné Edward Braddock. Et ouais, Braddock. Je suis navré, Edward. Mais tu ne... Boum. C'est fini, fini. Il y a une faille temporelle, ok? Donc tu vas te calmer. Oh, pourquoi, Etam? Parce que Pierre qui roule les masses. C'est inévitable. Cela n'a rien de personnel. Enfin, ça l'est peut-être un peu. Tu me gênes depuis bien trop longtemps. Mais nous sommes des frères d'armes. Ouais, vite fait. Nous le fûmes. Ouais, c'est ça. Mais plus maintenant. Crois-tu que j'ai oublié ce que tu as fait? Bâtard. Le mec, il est allongé par terre, le chapeau, il reste. Tuer comme tu le fais n'amène jamais la paix. Tu te trompes. Si nous avions brandi l'épée plus souvent et plus librement, le monde serait bien plus paisible aujourd'hui. J'en conviens. Goodbye. Mais je t'ai tué avec une arme, t'étais déjà mort. En fait là t'étais mort et j'ai tué ton cadavre. Si tu veux te faire une idée. Adieu Edward. Je te vole ta bague que t'as mis par dessus un gant. Quelqu'un a déjà mis une bague par dessus un gant ici dans l'assemblée? Oui, vous êtes l'assemblée. Bon, ah non, je ne vais pas parler. C'est fait. Maintenant que j'ai rempli ma part du marché, j'espère que tu rempliras la tienne. Suis-moi. S'il te plaît? Non? C'est pour les chiens? D'accord, je t'ai pas suivi. En fait, on a enchaîné 3 cinématiques. Normal. Ouh, on va mettre l'amulette. Ouh. L'amulette qui brille. Ouh, ça va faire un effet de lumière trop classe. Oh oui, tu as compris qu'il faut mettre l'amulette. Oh oui, mon petit chou. Non. Non. Tu as l'air très déçu. Mais non, je suis content. Je croyais détenir une clé, qu'elle allait ouvrir quelque chose. Il n'y a que cette salle. Non mais... C'est une blague. Je m'attendais à plus. Non mais, vous êtes débile. Mais... Qu'est-ce que c'est? Mais il y a un emplacement, genre... je suis l'emplacement le plus flag au monde. Qui est venu façonner notre monde pour y accueillir la vie. Sa tâche fut difficile. Et les dangers nombreux. Mais elle avait foi en ses enfants et en ce qu'ils pourraient accomplir. Elle a depuis longtemps quitté ce monde, mais elle nous observe toujours. Ses oreilles entendent nos paroles. Ses mains nous montrent le chemin. Et son amour nous porte. Tu as fait preuve de beaucoup de bonté, Tio. Merci. Baise-la avec 8 A, pile exactement. Référence. Je dois partir. Non mais on s'en fout que tu veuilles te la taper. Mets la putain d'allumette. D'amulette, pardon. Allumette, ça ne marche pas. Si tu mets d'allumette, ça va rien faire. L'expédition Braddock.
séquence 3. Oui, bon, oh, on se calme. Bon, bien, les amis, on aura réussi cette mission 3 et l'épisode touche donc à sa fin. Oui, on va pas se taper de cinématique, je pense. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a plu vraiment, mettez un pouce vert pour que je le sache, pour que je vois combien de personnes aiment vraiment cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, on va voler la veuve et l'orphelin. Là, là, là. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Bonjour madame. On se fait de l'argent comme on peut. Bonjour monsieur. Je vais encore te voler. Ok. Hop là. Oh, vous êtes tombé par terre monsieur. Je vais vous voler. Pardon, j'étais en train de dire au revoir et je me suis laissé perturber par des vols à l'arraché totalement inhumains. Salut. Tu m'as vu? Tu veux qu'on se tape? J'ai une épée. Tu veux vraiment qu'on se tape? Ouh, j'ai failli tuer la dame. J'ai pas fait exprès, j'allais taper. Bon, eh bien les amis, on va se laisser et se dire à très bientôt pour... Oh oui. C'était la page. Ah, il m'en manque 4. Il m'en manque 3. Ouais bien les amis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Unster Bleacher. Oh yeah. N'hésitez pas à commenter, pouce vert, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et à la partager si vous avez apprécié. Allez, bisous bisous, c'était Unster Bleacher. Oh yeah, bye bye.